Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en ligne pour vous présenter la dernière voiture qui est sortie aujourd'hui. Donc on va aller sur le téléphone et je vais vous montrer la dernière voiture qui est sortie aujourd'hui. Donc voilà, c'est la Turismo classique. Elle est juste magnifique en vert. Donc je l'ai commandée dans la même couleur en vert. Donc on va regarder au niveau de la vitesse, ça va. Accélération, ça va. Freinage, bof, il en manque un peu, et traction, ça va encore. Donc on va tester le véhicule en premier, avant de le custom, pour voir si ça va vraiment le coup pas. Donc voilà, je vous montre le véhicule en vert. Donc ça va, elle a un peu la même forme que celle de la semaine dernière qui est sortie. Donc on va regarder un peu à l'intérieur. Alors voilà, comme ça. Ici c'est dommage qu'on voit pas trop le compteur, mais c'est pas grave, on va tester du coup la voiture. Moi j'aime bien au niveau du bruit, c'est vraiment magnifique, on va pas se plaindre. On va aller à la custom du coup et on va aller voir un peu tout ça. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez de la nouvelle voiture qu'on a eue sur GTA. Si vous, si vous la trouvez bien ou pas. Et en même temps dites-moi sur les 3 ou 4 voitures qu'on a eues, 4, laquelle vous avez plus kiffé en fait. Je vais vous montrer après en photo, vite fait. Je vais vous montrer les véhicules qu'on a eu. Et c'est à vous de choisir lequel véhicule vous avez plus kiffé sur les 4. Donc il y avait, 5 je crois c'était. Non 4 c'est ça. Ouais c'est ça, 4. Il y avait la Pourgrande GP1, la E-Jack qui est juste ici, la Pegasus Infernus classique et la dernière Turismo classique. Donc dites-moi sur lesquelles voitures vous avez plus kiffé. Moi j'ai bien aimé celle-là au niveau de la forme, ça a été, et la dernière ça va encore. Hop, bon, allez, la custom. Bon, j'espère qu'il y a grand chose pour la custom, parce que sur celle d'avant on pouvait pas trop la custom, il y avait pas grand chose. Donc là on va voir. Donc déjà par choc, oui. Donc on va commencer par ça. Alors il n'y a pas grand chose quand on regarde en fait. Hein. Je vais laisser le basique. Moteur. 4. Bloc. Couleur vert. Tant qu'à faire. Attendez. Ouais c'est bon. Échappement. C'est mieux comme ça. Capot. Ah, ça change déjà. Quand on voit les traits comme ça, ça change. Il y a des motifs dessus, c'est pas mal. J'ai envie de dire, c'est un peu les mêmes. Ou ça se passe comment en fait? Ouais, avec un trait noir, ça peut être pas mal aussi au milieu. Ok, j'ai vraiment entendu celui-là. Et celui-là. Ah d'accord, ça change le capot. Je viens de voir. Oh, ok. Ça change le dessin sur le capot, puis la forme du capot aussi. Bon, je prends comme ça. Désolé, j'étais en train de regarder en même temps. Éclairage. Ça change pas grand chose, j'ai envie de vous dire. Néon, on va pas le mettre pour l'instant. Plaque, j'en mets une quand même. Peinture. Je laisse comme ça. Emblème du crew. Soleil, soit en vert, soit en continu en noir, mais je crois vert. Ah bon, pas mal ça, j'ai pas vendu de voiture, mais c'est pas mal. Je me suis trompé de bouton, c'était marqué vous avez atteint pour revendre le véhicule, mais c'est pas grave. Je voulais voir juste le prix, ça faisait quoi si on revendait. Il a pas voulu. Il a pas voulu que je regarde le prix du véhicule à revendre. Il a été méchant avec moi. Ouais, ça peut passer encore. Transmission. Je sais rien, j'ai plus beaucoup de sous. Ça c'est les roues. On va quand même changer les roues, c'est vrai, c'est moche. Attendez. Couleur des jantes, non, type de roue. Tuning, auto-cam.
Alors c'est ici, c'est quoi? Non, c'est pas fait. Autre gamme. Eh, je vais mettre ça pour l'instant. Ouais. Je vais vous dire, c'est pour le. La voiture à la fin. Moi, je m'en fous. De toute façon, on va rester dans le garage pour l'instant. On a tout fait. Voilà, on a fait le tour. Du coup, on va la tester comme ça. Moi, j'aime bien. Ça va au niveau de la ferme à pas. C'est. Elle est pas trop dégueulasse, j'ai envie de vous dire, comme véhicule. Donc, on va pas trop se plaindre non plus. Donc, voilà, je vous remonte encore une fois la voiture. Et je pense qu'elle est mieux en fait quand elle est custom que. Que comment ça s'appelle ? Quand elle est pas custom, je pense. J'ai l'impression qu'elle va plus vite. Hop, on va juste faire un petit tour vite fait pour la tester. Moi j'aime bien en fait. Je préfère celle-là que celle qu'on a eu la semaine dernière. Là ça passe encore. Au niveau de la ferme, j'aime bien. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Désolé pour la petite dame que je suis en train d'écraser. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez du véhicule, même des autres véhicules. Mettez une petite note pour savoir un peu, pour avoir votre avis. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite et ciao, bye bye, bon gamin à tous, salut!